Dites-moi, ça ne va pas du tout? J'attendais au moins 10% de plus. Déjà que c'est mal payé. Oui, mais pourtant ce sont de bonnes laitières. Ce qu'il y a, c'est que les pâturages sont grillés. Vous savez, il n'a pas plu. C'est la sécheresse. Oh, on aura un meilleur rendement. Oh, ces chats. Ils ne font que des sottises. Il faut s'en débarrasser. Et puis ça suffit. C'est eux qui nous empêchent de faire des bénéfices. Tout le lait y passe. On ne peut s'offrir ce luxe. Oh, le peu qu'ils boivent ne change pas grand-chose. La moindre goutte compte. Je me refuse à nourrir cette ribambelle de chats. Vous avez compris, j'espère. Nous n'en garderons qu'un. Ben, ma fille en prendra sûrement un, celui-là. Les Larson en prendront bien deux, hein. Je sais qu'ils sont envahis par les rats cette année, ça tombe bien. Et puis nous, ben, on peut en garder quand même deux. Celui-là, la sang-queue, il doit partir. Le pauvre. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Il n'en est pas question. D'abord, il est grotesque, ce chat. Et comment est-ce qu'il a perdu sa queue? J'en sais rien. Peut-être bien que ce sont les rats. Ce sont les rats. Les rats. Les rats. Bonjour, je suis venu vous rapporter vos clés. Oh, les clés. Alors ça y est, fini les vacances. C'est bien dommage. Mais les meilleures choses ont une fin. Nous habitons Uppsala. Je suis le seul à rentrer en voiture. Eh oui, ma fille Brigitte est malade en voiture. Alors j'ai conduit les enfants et ma femme au train hier. Puis j'ai encore un tas de choses à faire, à remettre en ordre. Oui, surtout les outils de bricolage. Vous savez ce que c'est. Allez, excusez-moi, mais je dois partir. Oui. Eh bien, au revoir, et puis à l'année prochaine, hein. J'ai votre nouvel ami. Il s'appelle Peter le chat. Il est fêteux, il est gentil. Aussi l'avenir à tout jamais lui sourira. Qu'il soit à la ville, ou bien qu'il soit au champ. Il aime la justice et il sait rendre service. Doué en arithmétique, aussi doué en musique. Il sera le héros de tous les animaux. Hein?
chou. Attention, chou. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, il y a que le voyage a été effrayant. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, c'était atroce. Quoi? Chut. Attention. Ah, oh, j'ai cru mourir. C'était effroyable. À mon avis, c'est un scorpion. C'est ça, ou du moins une bête très dangereuse. Un scorpion? Oui. On trouve des scorpions en Suède? Quoi? Enfin, peut-être en automne. Enfin, ça m'en a tout l'air, hein. J'ai vu que c'était un animal venimeux en tous les cas. En sois prudent. Oh, quel courage tu as, papa. Mais si on appelait la police, chérie? Voyons, je suis un ancien soldat. Mais bon, laissez-moi faire. Pour rire. Bon, je savais que ce n'était qu'un petit chat. N'empêche que je vous ai bien nu, hein. Oh, il est trop mignon, le garde, j'adore les chats. Oh, moi aussi. Votre père est contre, lui, il ne les aime pas. C'est vrai. Non, pas tellement, enfin, si vous y tenez. À choisir, je préférerais un chien. Oh, mais c'est drôle, qu'est-ce qui lui est arrivé? Regardez bien, il n'a pas de queue, ce chat. Ah, ne crie pas si fort. Ils sont très susceptibles, les chats. Alors, c'est d'accord? Je peux le garder? Je m'occuperai de sa nourriture. Mais qu'il ne fasse pas de sottises. Sinon, on le chasse. Hourra! Oh, regardez. Oh, ce qu'il est chou. Il est extra. Puisque c'est ça, il faut lui mettre un collier. Pourquoi faire? Pour les jours où on ira se balader, au cas où il se perd. Oh, je ferai attention à lui. Il est si mignon. Mais tu n'as pas de nom. Comment va-t-on l'appeler? Chaton, ça lui ira, il est si petit. Oh non, c'est tarte. Socrate, c'est un beau patronyme. Bah, atroce. Oh, c'est un nom pourtant illustre. Savez-vous au moins qui c'était? Non. Alors, Socrate... Et on s'en fiche. Pour moi, c'est décidé. Peter. Peter, le chat sans queue. Idiot. A perdu la tête? Eh oui, je vous l'avais dit, et c'est pour ça que je ne voulais pas de chat à la maison. Mais arrête, Peter!
Peter. Bon, alors donnez-moi ce chat et vous allez voir. Oh, oh bébé. Oh, bébé. Tu sais lire, Peter? Tu connais la lettre A? Oh, bravo! Bon, et ça, c'est un B. Vas-y, dis B. Oh, maman! Joël! Peter a appris à lire, je vous assure! C'est très intelligent, Peter. Qu'est-ce que c'est encore que ce vacarme? Oh ça, alors papa, écoute, Peter sait aussi chanter. Eh ben, il manquait plus que ça. Est-ce que t'as vu si le chat s'en est tiré? Ben ouais, et je vais te dire un truc, il était vachement jeune. Alors il a seulement laissé la queue. Ça arrive. Thank you.
Ah, mais où ils sont-ils? Bill et Boule. Ah, ces deux-là. Bill et Boule. À vos ordres, Pacha. Nous arrivons, Pacha. Salut. Ça, ça annonce du grabuge. Ça annonce un sérieux grabuge. Qu'est-ce que vous bredouillez encore? Bien, chasseur de rats sur vos plates-bandes. Un redoutable chasseur sur vos plates-bandes. Hein? Qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'il est gros? Disons fort. Beaucoup moins que vous. Alors, vous ne dites rien? Il faut que je fasse quelque chose. Écoutez-moi, il faut le coincer. Nous l'aurons. Oui. N'ayez crainte, je m'en occupe. J'ai le contrôle de la situation. Il a l'air très cool. Bonjour, monsieur. Tu aideras ton cas. Quelle manière? Qui c'est que t'es, d'abord? T'as l'intention de jouer au mariole? Ah non? Et comment on y joue? Écoute, bonhomme, c'est mon domaine à moi, ce quartier. T'as compris? Arrière. Je suis chez moi. Je suis le roi. Je suis le caïd, le pacha de tous les chats d'Uppsala. Pour sûr que pacha est le plus super. Pour sûr que pacha, il est pas né d'hier. Et moi, je suis Peter. T'as l'air snob. C'est juste, Billy Boule. Et moi, surtout. Comme un pou. Jeune arrogant, qui te rend si hardi de troubler mes parages? Je faisais juste un tour. Et quel mal y a à ça? Silence! Tu es grassouillet, tu ne fais pas pitié. Tu n'es pas un chat de gouttière. Non, je vis avec une famille. Ah, horreur! Pour obtenir des ramolos, rien de mieux que la vie de famille. T'es raté de la pire espèce. Complètement abruti. Tu as de la chance, je suis d'un naturel généreux. Je consens à te... Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as pas de queue? C'est un agréable domaine que vous possédez là. Ça, c'est pas mal. Tu n'es pas sans savoir que la queue est le plus bel ornement du chat. Un chat sans queue, t'as la vie queue, Lisa. Oh, ciné, lui, il fait pas la queue. N'empêche que parfois, eh ben, ça sert de ne pas avoir de queue. Est-ce que t'es si malin que ça? Salut, les minés. Tiens, tiens, vous êtes de nouveau? Mon nom est Peter. Peter le chat sans queue. Non, seulement Peter. Oh, il n'est pas de notre clan. Mais il est séduisant comme tout. Nous nous reverrons sans doute. Il y a un bal au château samedi soir, si le cœur vous en dit, Peter. Vous la connaissez? Qui c'est? Elle est charmante, hein? Elle s'appelle... Bella, c'est tout dire. Écoute, Peter, es-tu musicien? Un peu. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si tu veux séduire cette coquine, c'est facile si tu as une jolie voix. Bella te sourira. Un conseil, elle adore les gentilshommes qui chantent
Pour elle, ça va sans dire. Ah oui? Oh, chic. Vous êtes gentil, merci du conseil, au revoir. Salut, hein. Pour se revoir, on se reverra. Eh bien là, interdit les sérénades. Vous vous l'avez raconté des salades. Chut, quels abrutis ces deux-là. Bella adore ça. Mais ses voisins ne seront pas contents. C'est l'astuce. Assez ricanez, vous deux. Apportez-moi ma lotion parfumée. Je vais le coiffer au poteau, vite fait, bien fait. Ça, jeune crétin. C'est nul, ce programme. La lune est belle. Si nous allions nous asseoir au jardin, Oscar. Oui, mais oui, bien sûr, volontiers, mon cher amour. Regarde comme la lune a su briller ce soir. Elle m'a demandé pour quelle raison. C'est dans l'espoir de te voir. C'est complètement ridicule. Va recevoir un seau d'eau. Quand il sera trempé, il sera moins romantique. Ah, c'est ça, ce qui peut être agaçant cette saison. Mais et pourtant, Pacha, il m'a dit... Savez-vous que votre voix est très jolie? J'ai un rang assez copieux si vous veniez le déguster avec moi. Ah, ça, c'est la fin de la sérénade. Bon, il est temps d'en jouer une toute autre. Que se passe-t-il? Encore un hippie, sans doute. Je vais lui apprendre, moi, ce que c'est. Mes sauvages. Bonsoir, Bella. Quelle jolie clair de lune. Venez de grâce. Mais c'est pas chat. Vous chantez mieux que lui. Vous êtes beaucoup plus jeune, Peter. Je démolis celui qui dit un mot. Est-ce que c'est clair? Mais comme une... Non, vas-y, c'est bouscousé. Excusez. Excusez. Pas du tout, c'est moi. La salle des fêtes, c'est loin, vous connaissez? Oui, vous y êtes. Oh, ça revient. Je suis venu pour le meeting de 16 heures. Mon nom est Polo, je viens du HLM. Ah, oh, notez que je m'en doutais. Vous êtes Lily Chantal, peut-être, hein? Oh, j'ai bien connu votre maman Marie. Bonjour, qu'est-ce que je vois? Vous êtes venu avec mon filleul? Oui, à présent, il est grand. Eh, fais admirer à tonton ta quenotte, Rudolf. Chers réunis, je réclame votre attention, car l'heure est grave, il faut réagir vite, sinon nous risquerions d'être la risée d'un animal redoutable. Il s'appelle Peter. Peter, avec un P majuscule. Sachez que ce chef de bande
est venu perturber le quartier. Il m'a l'air d'être nourri gratis. Je ne vous cacherai pas que je suis très inquiet. C'est un dangereux spécimen. Il ose prétendre être plus malin que nous. Oh, j'ai prétention à ce policier. C'est scandaleux, mais prenons des mesures tout de suite. Non, mais on va s'en occuper de cet étranger. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, aurions-nous peur d'un chat comme lui? J'oublie l'essentiel, tenez-vous bien, ce chat n'a pas de queue. Nous saurons lutter contre cet intrus en nous unissant. Ça y a pas, il faut agir tout de suite. Ah, y a bien quelque chose à faire. Oui, et c'est du reste pourquoi je vous ai convoqué aujourd'hui. J'ai une idée, le bal du printemps a lieu la semaine prochaine. Alors voilà, organisons des attractions supplémentaires judicieusement choisies. Oui, des psychotests scientifiques. Ah, super, les discothèques, c'est extra. C'est vrai, les discothèques, ça, c'est super. Et ce, afin, chers amis, de prouver que nous sommes très supérieurs et qu'il y en a là-dedans. À présent, rentrez chez vous. Étudiez les tables de multiplication et de division. En calcul, nous, on est les rois. Multiplier, c'est fastoche, on l'aura. Mais tout de même, on dansera comme d'habitude. Oui, bien sûr. Mais est-ce que les Tinkas jouent quand même du rock? Non, non. J'ai prévu un meilleur orchestre. D'autres questions? Eh oui. Ludwig von Grenouille de la météo. En intermède musical, si j'interprétais ma sonate, vous savez, celle pour piano en do dièse. Non, pas l'intermède. Bien, pas d'autres questions, la séance est levée. Et les gars, on ferme. C'est terminé, les gars. C'est la même chose. Hein. Samedi prochain, si je ne m'abuse, c'est également la fin du festival de la saison. Oui, Macha est un fameux organisateur. Je me demande si je mettrai de l'ombre à paupières bleues ou grises. Oh. Ah, Rudolf, qu'est-ce que tu fais? As-tu oublié qu'il y a un affreux monstre dans le coin? Regarde, Brutus le bulldog. Tiens à toi s'il te met la patte dessus. Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Y a qui pensait, j'aurais des frissons. Oh, tiens, ça y est, il arrive. Tu l'as pas oublié? Non, je l'ai, attends. Alors, Peter, on rôde aussi dans le coin? Oui, c'est une très belle journée. On marcherait comme ça pendant des heures. À propos, j'y songe. J'ai une surprise. Tenez. Merci. Mais qu'est-ce que c'est? Pacha m'a prié de vous donner ça. C'est une invitation personnelle pour le bal samedi soir. Merci. Comme c'est gentil à vous et à lui. Pacha est étonnant. C'est vraiment un personnage. Est-ce que vous viendrez? Si je viendrai? Oh, bien sûr, et comment? Je peux pas refuser une telle invitation. Hein. Très cher public, attention, silence. Le quatuor Gros Matou interprète le tube bien connu. Voici l'hymne aux harengs. Oh, Argan, salut à toi, source de calcium, calcium al sol, mi-do-si, mi-do-sol. Mi-do-sol. Oui, tu es la gloire de tous les chats gastronomes. Nom, nom, nom. À toi, à toi, nous désirons chaque jour faire un sort. Surtout si tu fais 800 grammes. Un kilogramme. Miam, miam, miam. Oh, miam, miam. Miam. Alors, il est là ou pas? Edouard, où est l'orchestre de Finlande?
En attendant l'orchestre, puis-je proposer de jouer au piano un impromptu en fa dièse? Merci, mais... Oui, excusez-moi, voici notre orchestre, le Moustakissa. Vous savez, je n'ai rien à fameux danseur. Je me suis exercé à la maison, mais c'est pas terrible. Oh, mais c'est sans importance, darling. C'est moi le roi d'une marivaudage. Quand je danse, quel panache, jusque dans la moustache. Pour séduire les belles bronzelles, c'est le seul langage. Elles aiment ça, montrons-leur nos avantages. Tous les snobinards, les timorés, me font pitié. Ah, tango, hein, c'est vraiment irrésistible. Chavirant. C'est pas Rita Argentin? Ah, ah bah, ça se peut. Laissez tomber, il est indigne de vous, ce chat. Il n'a pas de queue. Soit dit entre nous, j'ai la plus longue du Psala. Vraiment, c'est intéressant. Oh, vous allez voir ce que vous allez voir. Je suis très doué pourtant. Oh, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Ah là, quelle triste destinée que celle d'un chat sans queue. Un chat sans queue? Pourquoi donc? D'abord, moi, j'en ai assez qu'on me dise ça. Et pourquoi, toi, t'es sans chat? Quoi? Bah oui, toi, t'as une queue et puis sans chat au bout. Bah ça, c'est encore pire. Bon, d'accord, je t'aide, mais tu ne mords pas, hein? C'est ça, on te sort surtout, hein? Du tact, tu comprends? Je suis paumé, l'autre, je me crois. Oh, je te suis reconnaissante, je ferais tout pour toi. Mon nom est Cécile, la reine des vipères d'Uppsala, c'est moi, la spique. Écoutez bien, nous allons donc décréter quel est le chat le plus intelligent. À cet effet, des tests ont été prévus. Qui désire concourir? Inutile d'être super baraqué. L'essentiel est de savoir faire fonctionner la cervelle. Notre polo va essayer ou pas? C'est un intellectuel.
J'hésite à oser. Vas-y, il faut pas seulement oser pour réussir. Hein. C'est un champion d'insectes. Que le meilleur gagne. Voilà, c'est parti. Gare aux méningites. J'ignore aussi, je demande de risquer à quoi. Les questions seront posées par un fantôme. Oh. Oh. 2, 3, 4. Ludwig. C'est juste. C'est le tour à présent de Bill et Bull. 11 x 6. C'était bien. Non, faux. Crétin, vous me le paierez. Alors, mais c'est ce que vous nous avez appris. Si, si vous apprenez de travers, on n'y est pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bill et Bull ont mal entendu. L'arbitre est enroué, soyons justes. Donnons-leur une autre chance tout de même. 2 x 2. Oh, ben non. Faux. Pauvres idiots. C'est vrai, quoi. Mauvaise méthode. Qu'est-ce que ça fait, oui, c'est tout le monde sait ça. Polo, qui a un cerveau extraordinaire, allez-y, une question facile, qu'on avance un peu. 20 x 20. 20 fois, attendez voir, oui. Mais alors, c'est assez aisé à résoudre. Moi, j'ai 10 solutions pour vous calculer ça. Il y en a soit le logarithme pur, soit le logarithme décimal, soit également par interpolation de la méthode baptisée euclidienne. Assez de commentaires, je demande une réponse précise. Dites-moi 20 fois 20, alors combien? Grouille-toi un peu. Oh, mais je sais répondre. Nous aimons bien les clowns. À présent, j'exige un résultat. La méthode décimale, parpille et ses poussières. Alors, je dis pour 14. Oh là là, même tiens, j'ai posé pied, mais alors si j'en tiens... Combien? Oh, ça y est, je me souviens. C'est ton prochain concurrent. Quel qu'il soit, ou plutôt la prochaine, Frida. 2 x 2. Zut, qu'est-ce que j'en ai fait? Quoi donc? Je l'ai pas, là, c'est celle pour Rudolf. Quand il pleure, Rudolf, pleure pas ce gentil, qu'il y attend. Allons, Frida, répondez. 2 x 2, combien ça fait? Excusez, est-ce qu'on peut répéter la question, hein? 2 x 2. Oh, mais coupe de cigarette en deux, par exemple. Alors, tu obtiens quoi? Oh, réfléchis. Ben des mégots. Ben des mégots. Oh, mais c'est de sa faute, d'abord. Il avait qu'à pas fumer. Et c'est au tour maintenant du dernier concurrent, dernier, mais qui sera peut-être gagnant. J'appelle à présent Peter, réputé génial. Vous êtes très doué pour les multiplications, il paraît. Disons que je me débrouille assez bien, mais compte tenu de mes moyens, bien sûr. Votre question, monsieur fantôme? Alors, 7 x 68. Hein? C'est injuste, c'est trop difficile. La queue du chat balance, silence. Disons que c'est assez ardu. J'écoute comme les autres répondaient avec la queue. Attends, je vais t'aider. Fais voir tes fesses. Juste. Mais quel chat! Il est positivement génial! Oh! Halte!
cela, il y a eu fraude. Peter a triché. Il a triché. Il n'a pas le droit de faire ça. Il a utilisé une queue artificielle. Premier prix, un rat entier. Ah ben, je proteste, alors il y a eu fraude. Non, ça me paraît très normal. Chacun sait que le calcul mental ne se fait pas avec la queue, mais avec la tête. C'est juste, il a gagné. Peter a mérité son prix. Il faut se servir de sa tête. C'est bien vrai, c'est pourquoi Frida a perdu. Moi, ôtez-moi ça. Dernier mot. Peter, ce gros gâteau n'est pas pour toi. Mais si tu es sage, tu en auras un morceau demain. C'est l'anniversaire de Joël. Thank you.
n'as pas honte? Et comment peux-tu avoir le culot de manger le gâteau d'anniversaire, hein? Nous allons être obligés de nous débarrasser de lui. Qu'as-tu à dire pour ta défense, Peter? Mais quelle sottise va-t-il encore faire? Enfermons-le dans la lingerie, ça lui apprendra. Oh, tout seul, pauvre chat. Tant pis pour lui, c'est de sa faute, il n'avait qu'à laisser mon gâteau. Enfin, moi, je vous fais mes poissons. Nous arrivons, c'est plein de poissons. Une d'alarme? Oh, mais non, ça doit être le chat. Oh, j'ai cru entendre une sirène d'alarme. C'est bien ce que je disais, c'est encore le chat. Tu vas, chérie. Heureusement que le chat nous a réveillés, parce que sinon... Remerciez-le, c'est un héros. Il vous a sauvé la vie. Tu nous pardonnes, gentil Peter? Moi, je ne suis plus fâchée contre toi. Tu auras de la crème fouettée toute la semaine. Oh, regarde ça, si c'est joli. Tu es décoré parce que tu es le plus gentil chat du monde. Pour n'avoir écouté que son devoir. Sans compter que ce gâteau est meilleur que celui de l'autre fois. Guitariste, vous m'acceptez? Ah, bien sûr, et c'est ce qui s'appelle faire un bœuf. Montre ça, c'est croire. Ça,
c'est ma médaille. Décorée? Pourquoi? J'ai éteint un incendie à la maison. Hein? Oh ben non, c'est pas possible ça. Et ça risquait d'être grave. La maison flambait déjà, mais j'ai pu éteindre. Et tout seul. Quoi? Il n'a pas à être là. Je suis ici chez moi. Oh, putain! Arrêtez! Pourquoi? Voilà pas ça! Oh! Au secours! Allons, mais ne soyez pas si effrayés. Je vous protège, moi. Oh, quand est-ce que t'auras compris? T'es interdit de te balader dans tout le quartier. C'est mon domaine à moi ici. Oh, mais inutile de crier comme ça. D'autant que c'est tout à fait illégal. Je suis un citoyen autant que vous, et même décoré. Me dire ça à moi? T'es un sacré zigoto. Je suis un citoyen autant que vous, même décoré. Et puis quoi encore? Et puis, chacun est libre d'aller où bon lui semble. C'est faux. Et les chats normaux en sont conscients. Je me considère normal et je suis plutôt patient. Et je n'ai de compte à rendre à personne. Anormal, quand tu auras une queue, tu parleras. Il a eu un courage. C'est un ordre, hein? Toi et ta bande, allez-vous-en. Allez, Oust. Déguerpis. Hein? Va voir plus loin! Oh, de grâce, gardez votre calme. Comme je vous l'ai déjà dit, je connais mes droits. Je suis décoré et j'ai même une médaille. Quoi? Une médaille pour n'avoir écouté que son devoir. Minus! Lavette! Mauviette! Ah oui, une mauviette. Alors que j'ai éteint un incendie à la maison, bah faut le faire. Qui? Toi? T'as éteint un feu, toi? Avec quoi? Avec ta queue? Quelle erreur! Crétin, tu as mal lu ce qu'il y a d'écrit. Il n'a même pas lu! Il a mal lu! Voyons, elle n'est pas sérieuse, ta médaille. Non, ce n'est pas toi qui as la médaille du CF. C'est F? Mais ça signifie quoi? La médaille d'or du club des félins, idiot. Tu risques pas d'obtenir cette médaille. Il faut être champion, costaud. Faut faire le poids. Mais toi, je te répète, toi, tu n'es qu'un minus. Moi, je connaissais pas du tout votre CF. Moi non plus, je connais pas votre CF. Crétin! Je m'en doute, CF, ça existe pas. Non! Moi, j'ai sorti ça, comme ça, c'est tout. Pour lui clouer le bec, tiens. Allez, dépêchons, idiot. Dans une stratégie aussi précise, je dois régler certains détails. Je m'appelle tout plus tard. Tu vas chercher à te mettre des bâtons dans l'air ou quoi? Je dois songer à mon honneur. Il n'est pas question que je renonce. Sinon, c'est le quartier tout entier qui me traitera de minus. Ah, ben ça c'est vrai. Ils sont médisants. Agis comme tu voudras, Peter. Je réussirai à battre Pacha. Il y a un détail capital. Ce chat venu d'ailleurs est sans queue. Selon moi, ce n'est qu'un minable. On peut rien faire sans queue. Non, ce n'est pas normal. Donc, demain, on saura qui remportera l'épreuve finale. Et à tout. Hein? Voilà pour tous les joueurs. Excepté Peter. Lui, il ne marquera rien avec ça. J'ai hâte d'être à demain. Lily Chantal lui fera moins les yeux doux. Oh, je suis impatient d'y assister. Je tiens
à organiser toute la publicité. Je suis expert en relations publiques. Ça, l'affichage, c'est capital. Eh, tout le monde y sera. Tout le monde viendra. Il serait peut-être judicieux que j'interprète une petite. Très cher public, bienvenue à ces châteaux olympiades historiques d'Uppsala. Vous savez tous qu'il va s'agir de désigner aujourd'hui le plus fort, le plus athlétique des chats de la ville. Nous sommes réunis au grand stade Miaou et nous nous interrogeons tous qui va remporter la médaille d'or des châteaux olympiades. Tous les chats en âge et forme vont participer aux différentes épreuves. Le vainqueur recevra le trophée des mains de la doyenne des arbitres, Zézette Rombibi. Elle est impartiale. Et pour cause, elle est sourde comme un pot. Les épreuves de course vont commencer. Que le meilleur gagne. Curieux maillot. C'est tout ce qui restait, désolé. Ça fait assez efféminé, j'avoue. Oh. Et je refuse de concourir avec ce maillot. Bien sûr. Qu'est-ce que je vous avais dit? Pétard refuse de prendre le départ. Il se rend compte qu'on le traitera de minus. Il faut savoir renoncer quand on n'est pas sûr. Je ne renonce pas. On reconnaît notre Ludwig von Grenouille qui a pris un départ rapide. Oh, il a pire allure. Quel rythme. 1, 2 et 3. Mètres pour Ludwig von Grenouille de la météo. À présent, c'est le tour du fameux Pacha. Oh, c'est une véritable fusée. Inouï. 1, 2, 3. Oh, il a des ailes. Son record sera difficile à battre. Concurrent suivant est Peter, le chat sans queue. Peter, tout court, monsieur, s'il vous plaît. Vas-y, Peter. Vas-y, Peter. Attends un peu, toi. Dis donc, tes baskets n'ont pas de clous. Des baskets à clous? Bien sûr. Un athlète ne peut pas s'en passer. Tiens, mets-les pour l'épreuve, je te les prête. Oh, merci, c'est gentil, je suis très touché. Le crétin ne s'en doute pas, mais à vous, je vous le dis, les baskets ont des clous à l'intérieur. Voyons la performance de Peter, c'est son tour. Ça y est, après un départ un peu hésitant, il semble décider à accélérer l'allure, mais hélas, ça y est. 3 mètres. C'est les baskets qui ont des clous. N'importe quoi, oui. On sait que c'est parce que tu n'as pas de queue. Je t'avais pas connu les doigts. C'est à toi. La mettre là. Soit dit sans malice, il ne fait pas le poids. C'est beaucoup plus lourd que je ne le pensais, ce machin-là. Oh. Second essai. Oh, il suffit simplement d'être un peu plus musclé. Ben, je n'ai pas de clous ce coup-ci. Pacha peut se préparer à perdre. Et voilà, ils sont partis. Pacha premier a pris de l'avance sur Pete, qui vient en second. C'est ça, en second. Mais Peter semble décidé à ne pas se laisser distancer. Peter remonte, il rattrape Pacha. Non, ils sont à égalité. Non, je ne vois plus très bien. Ils sont pratiquement à égalité. Oui, hein, pour l'instant, les buissons nous les cachent.
mais nous devinons l'affrontement. Où sont-ils? Je ne vois rien. Si, voilà, le suspense est total. Le public retient son souffle. Ils verront nous en premier avant le tournant. Peter ou Pacha? Quelle angoisse! C'est Pacha, oui, Pacha, tout seul, bien détaché. Peter va abandonner peut-être. Où est-ce que Peter? Je ne le vois plus. Pacha, Peter, je ne vois plus personne. Où sont-ils? Peter. Peter semble avoir quelques difficultés. Va-t-il s'effondrer? Non, non, non. Bon rétablissement. Très bien, Peter. Bravo, il reprend plus belle. Ah, c'est superbe à voir. C'est superbe. Quelle classe! Oh, quelle détermination chez ces deux athlètes! Ils sont à égalité. Non, 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 non. Peter dépasse Pacha. Ah, il n'y a plus que la rivière. Attention. Il est tombé. Il est tombé. Peter est tombé à l'eau. Pacha finira donc seul. Non, 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 car Peter s'est relevé et a repris sa course folle. Il ne renonce pas. Peter court, court. Pacha va gagner. Il est vainqueur. Pacha est vainqueur. Il a battu Peter. Pacha remporte donc la médaille d'or des Châteaux-Olympiades. Oh, il y a Maldon. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a eu fraude. J'exige que les poids soient identiques. Mais ils le sont. Sauf pour Peter. Peter avait 8 kilos. Il fait des baskets à clous. Mais le clou est à l'intérieur. Oh, mais taisez-vous donc, bande d'imbéciles. Non, je suis peut-être la seule qui ait des lunettes si grosses. Je n'ai plus 20 ans. Mais j'ai vu ce que j'ai vu. Pacha est disqualifié. Il a triché. C'est un tricheur. Il a triché. Oh, mais non, c'est fini les boules. Oh, non. Je te connais, Pacha. Ma décision est prise. C'est Peter, le vainqueur. À lui la médaille. Désolé, je transpire un peu. Oh, c'est rien. Pour moi, de toute manière, vous étiez le vainqueur de mon cœur. J'aimerais bien vous présenter à mes amis du quartier. C'est dangereux, chérie. Les chats ne sont pas autorisés à aller dans le domaine de Pacha. Qui a dit que c'était des chats? Quelle ravissante personne! Ah oui, elle est assez jolie! Enfin, pour une chatte! Merci, Peter, tu es super! On est content de toi! T'as passé une sacrée journée! Pacha n'a plus d'espoir! Tu as pris le bon chemin! Toi, tu es un chat bien! Oh! Débile! Bravo! Des boules! L'empire Pacha s'écroule! Peter, tu es super, on est content de toi. Tu es vraiment un chat sympa, pas comme le vieux Pacha. Toi, tu es notre sonde, on nage dans le bonheur. Dans ça, divine, extra, ziboule, notre viseur à citoyens, vous vous doutez pour quelle raison vous êtes réunis. Cela ne peut plus durer. Permettrons-nous à des chats étrangers de nous envahir? C'est intolérable. Depuis qu'ils sont là, tout a changé. Nos menus diminuent, les greniers ne sont plus ce qu'ils étaient, les souris sont moins bonnes. Pourquoi? À cause de leur mentalité, car ces chats sont dangereux. Anarchistes, ils veulent faire la loi en somme. Or ce sont des usurpateurs, des ploucs, des bouseux, ils n'ont pas de classe. L'un n'a pas de queue, c'est vraiment honteux.
Je suis démocrate. Il n'y a qu'à voter. Doit-on, oui ou non, les mettre dehors? Mais comment les chasser, alors? Il faut qu'ils retournent à la campagne. Ils n'ont rien à faire ici. Ça saute aux yeux. Ah oui, qu'ils s'en aillent, disons-leur carrément « go home ». Au champ, il y a bien trop de chats, par suite d'une démographie galopante. J'ai lu le rapport d'un des comment ça s'appelle? Ma chère, ça c'est leur problème. Bon, à présent, le mieux est de voter. Écoutez, jolie dame, le chat sans queue vous séduit. En ce cas, je suis prêt à couper également la vôtre. Comment? Vous êtes un sadique. Je crois que nous... Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, on doit éliminer Peter pour que les autres retournent à leur tas de purins, à leur grange et à leur grenier. Comment? Comment? Oui, c'est d'accord, mais comment? J'ai une idée. Venez avec moi. L'avenue qui mène au château. Et quand ce répugnant personnage de Peter ramène son idiote de fiancée, c'est le chemin qu'il prend. Oui, justement, il passe par ici. Où il y a le fauve. Mais il est dangereux, Brutus. Oui, sauf si on est rapide. Et Peter peut courir. C'est lui qui a eu la médaille d'or. Ce coup-ci, je crois que Peter ne remportera plus rien. Alors, Bill et Boule se chargent de surveiller Peter. Et moi, je me charge de Brutus. Les autres surveilleront le spectacle de là-haut. Votre trésor m'a l'air de trotter. Rudolph! Mon trésor, Rudolph! Mais Frida, il y a Brutus en face, c'est trop dangereux. Wow.
Mes amis, il faut demander à Peter de nous pardonner. C'est un exploit héroïque auquel nous venons d'assister. Il a sauvé la vie du petit Rudolf. Notre Dieu sera désormais Peter sans queue. Peter tout court, madame. Eh bien, vous êtes un morceau, Ludwig. Mais... Oh, ben voilà, j'ai justement une sonate qui... C'est gentil que ce soit chat qui pleure, chat qui rit. À la ville ou au champ, les chats miauleront toujours tout le temps. On se voit demain à 13h, Peter. Ah non, demain je peux pas parce qu'on part en vacances avec la famille. Ils les passent à la campagne. Joël et Brigitte sont très contents. Mais je vous verrai à mon retour en septembre, Bella. Il était débrouillard, lui, au moins. Il est bien celui-là. Eh oui, nous revoilà. Monsieur Larson, cette fois, on est cinq. Nous avons un chat. Il est chou, hein? Oui, il est adorable. Je te présente Monsieur Larson, Peter. Oh, enchanté, Peter. Je crois qu'il va se plaire. Viens, tiens. Oh, sûrement. Nous allons en faire des balades ensemble. Il n'est jamais venu à la campagne, vous savez. Je n'en suis pas si sûr. Siiske rämmailmalle, sepran täytetyn jos posti toi. Anna suukko leijonalle, ei se kovin väärin olla voi. Siiske rämmailmalle, sepran täytetyn jos posti toi. Anna suukko leijonalle, ei se kovin väärin olla voi. Siis kehtää.